Invité de Culture Média, ce jeudi 23 mars 2023, Julia Vignali a répondu franchement aux rumeurs sur les tensions avec Thomas Soto, avec qui elle co-présente Télématin sur France 2. Une rumeur qui prend de l'ampleur. Ce jeudi 23 mars 2023, Julia Vignali était reçue dans Culture Média sur Europe 1. La présentatrice aux commandes de Télématin sur France 2 est revenue sur un bruit qui court depuis quelques semaines déjà et qui commence à créer la polémique. En effet, il semblerait que l'ambiance ne soit pas au beau fixe avec son camarade Thomas Soto. Interrogée au micro de Philippe Vandel, elle a tenu à démentir ses ragots, « Moi je m'entends très bien avec Thomas Soto. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui », a-t-elle assuré. Si est-il dingue que cette rumeur ait pris cette ampleur, Julia Vignali, qui officie également sur Europe 1, où elle anime Bien fait pour vous, chaque matin avec Mélanie Gomez a même fait un parallèle entre les deux tandems dont elle fait partie. Vous parliez de coprésentation avec Mélanie, si est-il vrai que nous vivons un petit rêve éveillé Mélanie et moi? Et avec Thomas Soto, ce sont des petits matins enchantés. Franchement, si est-il dingue que cette rumeur ait pris cette ampleur, a-t-elle regretté, visiblement un peu agacée que l'on vienne entacher le plaisir qu'elle prend à réveiller les téléspectateurs de la 2, avec son collègue. Ces bruits de couloir ne partent pourtant pas de nulle part. Thomas Soto, qui est également joker des journaux du week-end, s'est récemment fait retirer la présentation de 20h30 le dimanche, par Laurent Delahousse. La presse fait état d'une dispute entre les deux hommes, qui ne s'adresserait désormais plus la parole. L'étrange absence de Thomas Soto dans Télématin. Les rumeurs ont pris une nouvelle tournure ce lundi matin, lorsqu'on a remarqué l'absence de Thomas Soto à la présentation de Télématin. Si toutes les spéculations étaient possibles, Julia Vignali a tenu à rectifier une nouvelle fois la vérité, il n'était pas là parce qu'il est allé voir un match de foot. Moi je n'y connais rien, mais il y avait un classico à Barcelone, non? Donc Thomas a pris son lundi pour y aller, raison pour laquelle j'ai co-présenté l'émission avec Jean-Baptiste Marteau, a-t-elle simplement justifié, espérant mettre fin à cette spirale de suppositions, qui ne lui plaît guère. À lire aussi, Thomas Soto pas certain de rester à Télématin, pourquoi il pourrait quitter l'émission à la fin de la saison. I have a